Louange à Allah Ta'ala, qu'il accorde son salut et sa bénédiction à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie. Le jeûne, comme nous le savons tous, en islam, est une prescription divine obligatoire sur le quatrième pilier à tout musulman qui pratique la sunna et le Coran prescrit par Allah Ta'ala. Alors, c'est un état d'adoration, c'est un acte d'adoration à Allah Ta'ala. C'est une dévotion totale qui consiste à s'abstenir de manger, de boire, mais surtout à délaisser certains plaisirs normaux qu'on avait l'habitude d'avoir, mais dans la journée, on s'abstient à faire certaines choses qu'on pouvait faire normalement. Donc, notamment le rapport avec sa femme, notamment le stress, etc. On en parlera. Et il faut dire d'abord que l'être humain est génétiquement programmé pour jeûner. Autrement dit, il y a une application du jeûne dans l'organisme. Allah Ta'ala a créé l'homme comme étant une machine complète. Il y a des différentes machines, donc le jeûne est programmé dans le corps humain déjà. Ce qui veut dire que il y a 1440 ans déjà, le prophète Mohammed sallam nous a dit « Jeûnez, vous aurez la santé ». Donc le jeûne, il n'y a que la santé avec le jeûne. Il y a des vertus et des bénéfices liés au jeûne au niveau de l'organisme. Et comment ça se fait? Et la question passée d'abord, expliquez-nous d'abord les vertus du jeûne sur la santé. Voilà, les vertus du jeûne, nous savons que le foie, c'est une usine de fabrication, de stockage et surtout de purification. Quand vous jeûnez, les cellules du foie, qui s'appellent cellules de Kupffer, augmentent, se multiplient 10 fois par rapport au foie d'un non-jeûneur. Donc, la purification, le jeûne purifie l'organisme de tous ces déchets toxiques accumulés depuis un an. Ça consiste à balayer, à nettoyer, à désinfecter, à purifier. Ce qui veut dire que les 24 premières heures déjà du jeûne, les cellules mortes, les débris, même les cellules cancéreuses sont dévorées par l'organisme dévore tout ce qui est nuisible et rend le corps neuf par rapport au non-jeûneur. Et l'immunité, la défense de l'organisme est assurée par les cellules T. Ces cellules T-là augmentent le potentiel immunitaire, augmente, vous savez, la défense de l'organisme comme une équipe de football, il y a une défense. On multiplie cette défense par 10, ce qui veut dire que le jeûne rend l'organisme plus vigoureux, plus résistant. C'est pourquoi d'ailleurs les athlètes du monde entier utilisent le jeûne pour compétir. Un sportif, un athlète, un boxeur, quand ils sont en compétition, ils prennent un repas léger et ils ne remplissent pas le ventre. D'ailleurs, il y a un Français qui s'appelle Bernard Cavier, que j'ai écouté l'année dernière, exactement le 11 février 2018. Il nous a dit que jeûner, ça augmente la puissance de l'organisme, ça augmente la compétitivité de l'individu. Donc jeûner, ce n'est pas dangereux, c'est plutôt un effet bénéfique. En plus de ça, quand vous jeûnez, l'organisme, le tube digestif, l'estomac, les intestins se rajeunissent, se mettent en jachère. Vous savez que l'homme a de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, une goutte d'acide dans l'estomac qui bouffe les microbes et qui permet de métaboliser les aliments à ingérer. Mais quand vous jeûnez, cette quantité-là diminue et les cellules se renouvellent. Il y a un renouvellement. C'est comme si vous faites une vidange, un moteur. Donc les cellules se renouvellent. La journée, quelqu'un qui avait une gastrite, la gastrite résulte,
justement de l'accumulation, de l'exagération de cette quantité d'acide chlorhydrique. Et quand l'acide la diminue, donc les lésions, l'inflammation de la muqueuse de l'estomac est guérie. C'est comme si vous prenez du ciment, vous colmatez un trou. Quand vous avez un ulcère, vous êtes moins stressé, parce qu'il ne s'agit pas de ne pas manger sans mal boire. Il faut supprimer le stress. Le jeûneur, c'est une dévotion totale à Dieu. Donc sans stress, sans acide chlorhydrique, sans acide chlorhydrique, donc les plaies guérissent au cours du mois du jeûne de Ramadan. Ce qui veut dire qu'il y a une mise en jachère et un repos de la muqueuse, et donc un rajeunissement. C'est pourquoi aussi, le jeûne aussi nettoie le mauvais cholestérol. Il enlève le mauvais cholestérol dans l'organisme. Ce qui veut dire qu'il a un rôle au niveau des maladies d'hypertension, au niveau des maladies du cœur, ainsi de suite. Le jeûne est un médicament contre la gastrite, contre l'ulcère donc. Mais surtout l'obésité. Quelqu'un qui est obèse, vous savez, ils ont le mauvais cholestérol. Donc pendant le jeûne, le mauvais cholestérol là est éliminé. Et même les maladies, il y a des maladies immunitaires, c'est-à-dire des maladies où le système immunitaire est faible. Maintenant, quand le système immunitaire qui était faible augmente 10 fois de capacité, donc ce qui veut dire que ça soulage le malade. C'est pourquoi à Bernard Cavier et beaucoup d'autres clubs de jeûne, ils organisent des jeûnes, même pour les gens qui ont un début de cancer, parce que quand vous jeûnez, en fin de jeûne, vous êtes un peu recouvré, comme on dit, renforcé physiquement, au point de vue force. Donc ça améliore l'état de vie, l'état de santé de l'individu. Donc les gens qui ont les allergies aussi, le jeûne aussi peut soulager les allergies. Voilà. Voilà, docteur, comment justement en temps normal. Donc, il y a un principe. D'ailleurs, Bernard Cavier là, nous taquine. Normalement, il faut manger un peu. D'abord, manger ce que vous avez. Manger un peu. Ne pas exagérer. Parce que lui, il dit que les musulmans changent d'habitude. Ils mangent la nuit ce qu'ils devraient manger la journée. Mais en principe, le jeûne, il ne faut pas manger beaucoup. L'estomac mesure 2,5 à 3 litres. Donc, quand vous mangez, vous coupez le jeûne avec soit de la bouillie. Normalement, c'est recommandé les dattes, parce que les dattes là ont des vertus. C'est l'aliment le plus riche au monde et qui a toutes les protéines. Vous savez, quand vous jeûnez, la bouche est sèche, l'estomac est fermé, c'est ça. Vous prenez les dattes ramollissent la muqueuse buccale, ouvrent l'estomac, les dattes. Ou si vous n'avez pas de date, deux verres d'eau ou un verre d'eau, ce qui va déclencher la sécrétion de la salive, la psyalite qui est dans la salive, ça va faciliter la digestion des aliments que vous allez manger. Et surtout au niveau de l'estomac, ça va déclencher la sécrétion de toutes les enzymes de l'estomac et du duodénum qui facilitent la digestion. Et ce qui est très important, de prendre deux dates, trois dates ou un verre d'eau avant la prière. Donc, il faut couper le jeûne avant la prière. Il ne s'agit pas de prier et commencer à manger. Parce que là, vous n'avez pas préparé l'organisme à la bonne digestion. Donc, couper avec des dattes ou un verre d'eau, mais ne pas couper avec les dinyans, les bissap ou bien de l'eau glacée. Quand vous prenez ces substances sucrées ou trop acides, vous allez bloquer la digestion. Les dindian, vous savez, il y a le sucre rapide, action rapide, et le sucre action semi-lente. Les dattes, c'est un sucre semi-lent. Mais le sucre ordinaire, ça va inonder rapidement, non seulement l'estomac, mais ça va bloquer la sécrétion des enzymes qui facilitent la digestion des aliments. Ce qui veut dire qu'il faut prendre quelque chose avant la prière. Vous faites la prière, vous coupez. Si vous n'avez pas de gastrite, vous pouvez couper avec du thon ou je ne sais pas quoi, mais ceux qui ont la gastrite, eux, c'est avec du riz local. Ça s'appelle marambensa en poulard, ma sauce rosa. Non, barbaré. Barbaré, c'est la bouillie, le lafi du fouti. Un peu. Le principe, c'est de ne pas remplir l'estomac dès le crépuscule. Manger, respecter le hadith du prophète Mohammed, il nous a dit, divisez l'estomac en trois. L'estomac, la première partie des aliments,
Le deuxième tiers, l'eau, et la troisième partie, l'air. Mais l'air là est déjà dans l'estomac. Donc si vous remplissez l'estomac avec du riz ou bien de la boue ou bien du thon ou bien du ginjang ou bien du bissap, jusqu'au niveau, vous remplissez l'estomac, le métabolisme, parce que l'air, vous avez comblé, vous avez pris la place de l'air, vous avez mis un aliment, à ce moment la digestion ne va pas se faire normalement. Vous serez lourd, vous aurez une mauvaise haleine, vous serez ballonné, vous serez constipé, vous serez fatigué, vous n'allez même pas pouvoir manger jusqu'au lendemain et vous allez vous coucher, vous ne pouvez même pas faire la prière, surtout vous allez dégager une mauvaise odeur près des gens, près de la population, près de vos voisins, de la famille, et ça s'appelle la flatulence. Donc c'est pourquoi il faut manger un peu, modérer, manger, préférer la qualité à la quantité. Alors, docteur, vous parlez des aliments à éviter, ce qui est normal de prendre. Mais il y a certains, on constate qu'ils prennent souvent un thé ou bien du quinqueliba à la rupture. Est-ce que c'est recommandé ou bien ça a un effet négatif? Il ne faut pas prendre ce qui est trop glacé, ce qui est trop acide, ce qui est trop chaud. Ceux qui prennent du chaud, ce n'est pas bon. Prenez ce qui est recommandé, vous êtes musulmans, nous sommes musulmans. Respectez ce que le prophète Mohammed nous a dit. Prenez deux ou trois dates ou un verre d'eau. Laissez le thé, le quinqueliba n'est pas bon. Le quinqueliba c'est amer, c'est acide. Et les gens qui ont l'hypertension, c'est après. Mais coupez avec ce qui est recommandé. Ne coupez pas avec du chaud ou du glacé ou de quelque chose qui est très acide ou qui est trop amer. Prenez quelque chose qui va déclencher, qui va favoriser la digestion des aliments dans la bouche et dans le tube digestif. Voilà, docteur, dans l'une de vos dernières émissions, vous avez dit, je cite, que les personnes qui souffrent de la gastrite ne doivent pas manger du gombo pendant ce mois de Ramadan. Actuellement, nous gérons ici près de 47 975 malades. Parmi ces malades nous ont dit qu'ils ne supportent pas le manioc sous toutes les formes. Ils ne supportent pas le gombo, ils ne supportent pas ce qui est gluant, ils ne supportent pas arachide. Pas d'arachide, même dans les boulettes, ils ne supportent pas beurre, mayonnaise. Les gens là doivent couper avec le riz local. Un peu de bouillie au riz local, ben ça ou sauce pour ça là. Un peu, ne pas se rassasier. Ou alors, un nasi sumbara, ça les dérange, ils prennent pas. Il y a un peu d'huile rouge, mais non piratée là. Et un peu de gingembre, comme on dit, mais prendre un peu d'eau. Ne pas se rassasier avant d'aller faire la prière. Vous prenez ça, vous allez faire la prière, vous revenez manger, mais surtout se lever à 4 heures du matin pour manger quelque chose. Il ne faut pas dire que moi, non, je ne suis pas habitué, moi, c'est cela. Non, le message d'Allah nous dit, sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même si c'est un verre d'eau, c'est bénéfique. Une tasse de café ou même une cuillerée de riz, le matin à 4 heures, vous prenez beaucoup d'eau, comme il fait chaud, c'est une période de chaleur. Donc, à 4 heures, vous mangez quelque chose, vous prenez assez d'eau et vous allez passer la journée normalement. Mais surtout, la journée, il ne faut pas dormir. Il est recommandé de lire le Coran, savoir ce qu'il y a dans ce que vous lisez, surtout de se comporter, de comprendre, de méditer sur le Coran. Donc, il faut éviter le stress, il faut éviter les discussions inutiles, les cris dans la journée. Il faut avoir le jeûne, ça n'est pas de ne pas manger ou pas boire. Il faut avoir la dévotion, être calme, être gentil, être utile, ne pas se disputer, éviter les lieux de dispute et de discussion inutiles. C'est ça le jeûne. Donc revenir au principe du message de la. Mais est-ce que tout ça là a un aspect du côté de la santé? Est-ce qu'il y a justement, un aspect négatif par rapport à ça pour le jeûneur? Ou bien c'est si quand on est stressé, quand on s'énerve, on sécrète de l'adrénaline. Les gens qui font la crise cardiaque, ils sécrètent beaucoup d'adrénaline et ça agit sur le cœur. Ça fait un spasme au niveau des artères cardiaques. Et l'adrénaline, la pepsine, la gastrine, l'acide chlorhydrique sont des substances sécrétées intérieurement, involontairement. Par l'eau, plus vous êtes énervé, plus vous sécrétez d'adrénaline, plus vous avez des problèmes au niveau de votre respiration, au niveau du cœur, au niveau du tube digestif, au niveau de l'organisme en entier. La dopamine, tout ça. Donc, c'est pourquoi on dit jeûner, ne mangez pas, ne buvez pas, mais surtout gardez le calme. Pas de stress, moins de stress. Cela est très important.
Donc il faut être gentil, il faut respecter les principes de l'islam selon le prophète qui nous a, Mohammed Salam, qui nous a donné l'explication, qui nous a assuré qu'on a envoyé le Coran. C'est pourquoi il dit, il faut lire le Coran, ou rester à côté là où on lit le Coran. Surtout lire, mais surtout comprendre et appliquer ce qui est dans le Coran. Cela est très important. Donc c'est ça pour qu'on ait une dévotion totale à Dieu. Et il vous dit qu'il a fermé, qu'il ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis. Et même Shaitan est attaché. Donc c'est pas la peine vous de se mettre à la place de Shaitan qui est attaché. Donc respectez les principes du jeûne pour avoir toutes les bénédictions de Dieu. Parce qu'il dit vous jeûnez pour Dieu, c'est lui qui vous récompense. Donc respectez ses principes, ce qu'il a et ce qu'il vous a commandé. Voilà, docteur, il y a un de nos internautes qui nous suit en direct ici, qui vous salue et qui demande est-ce que prendre plus de 5 dates c'est normal à la rupture? Bon, il est dit de prendre 2 ou 3. À la Mecque, ceux qui font Oubre actuellement, ils prennent 5 dates et un jus. Ils peuvent rester comme ça toute la nuit sans manger. Déjà, vous êtes rassasiés. Prenez 1, 2 ou 3. Et c'est comme ça. C'est très bien. Mais c'est un aliment le plus complet. Il y a une personne qui n'est pas musulmane qui prend ce qu'on appelle les orties. Orties, c'est des feuilles complètes. C'est un peu comme la date. Mais une fois par 24 heures, l'intéressé de cette personne-là, c'est Bernard Cavier qui l'a dit. Et cette personne prend ça une fois par 24 heures. Et Bernard Cavier, depuis l'âge de 18 ans, il prend un seul repas par 24 heures, un repas léger, parfois un simple jus, mais il est à 40 ans, il peut courir, normalement, il fait le sport, il a un club, il fait venir des gens, même des gens qui ont un début de cancer, des gens qui ont l'obésité, par 24 heures, ils prennent un petit repas léger et ça marche. Docteur, nous sommes au terme de cette interview, votre mot de la fin. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, d'abord, le jeûne se prépare. Il y a 3 préparations. Une préparation physique, allez voir le dentiste, arrangez vos dents, enlevez les dents cariées, vous les soignez. Si vous avez une hypertension, voyez votre spécialiste qui va vous dire, vous pouvez gêner ou vous ne pouvez pas gêner. Vous avez le diabète, voyez le spécialiste, ne voyez pas les petits spécialistes. Voyez un spécialiste, voyez quelqu'un qui a appris. Vous avez la gastrite, venez nous voir, on soigne la gastrite et l'ulcère. Et pendant le jeûne, le traitement se poursuit et cette gastrite va guérir, cette ulcère va guérir. Ce qu'il ne faut pas faire, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de remplir le ventre toute la nuit. Mangez un peu, mangez qualité. Ne crachez pas. Quand vous crachez, le crachat joue un rôle dans l'organisme. Vous crachez toute la journée, vous perdez 1 litre à 1,5 litre par jour. Vous serez déshydraté, vous serez fatigué. Ne pas cracher et restez calme, ne dormez pas. Faites du mouvement, marchez, faites un peu de sport, lisez le Coran, comprenez ce qu'il y a là et appliquez. Et surtout, mangez qualité. Essayez d'améliorer vos repas, ce que vous prenez. N'empruntez pas. Donc, préparation physique, préparation psychologique, préparation financière. Il ne faut pas dire, oh là là, le mois de jeûne, il n'y a rien. Les gens augmentent le prix, c'est leur problème. Mois de Ramadan, c'est la bénédiction de Dieu. Fais ce que tu peux, selon tes moyens, mange normalement et mieux, mais mange moins. Cela est très important. Ne pas remplir l'estomac au crépuscule, ne pas le remplir toute la nuit. Surtout, si vous voulez le remplir, remplissez-le à 4h du matin et ça vous fera du bien. Passez la journée calmement. Si on vous provoque, dites-moi, je suis à jeûne. Donc, n'allez pas où on discute entre Barça et Real. Allez là où on lit le Coran et on vous explique ce que c'est. Gardez le calme, moins de stress. Aimez votre prochain, aimez votre voisin, qui, même s'il ne vous salue pas, et cela vous fera du bien. Et donnez, si vous avez les moyens, donnez un peu d'argent, un peu de manger à vos voisins qui sont pauvres. Cela est très important, ce qui est recommandé par Allah Ta'ala. Merci, docteur. Merci bien.